Salut, aujourd'hui, on part faire une randonnée. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. When we feel like the world is against us, we're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark, the vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for. Bon, après 2 heures de route en bus, en sortant du cégep, on est arrivé à un arrêt, je crois, pour toilette. Et donc là, on va se diriger encore en bus vers le point de départ de la randonnée. Pour enfin commencer cette petite randonnée qui fera environ, je crois, 15 km aller-retour. À ce que j'ai compris, ça se peut, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on y va. Bon, revenons un peu sur cette journée. Alors, on est parti faire une randonnée sur le mont Jacques-Cartier, donc qui est la deuxième montagne la plus haute du Québec. Donc la première, c'est dans le nord du Québec là-bas. Donc la montagne fait partie de la chaîne de montagnes des Appalaches. Ça a pris deux heures en bus pour arriver jusqu'au début de la randonnée. Puis on est monté à 1200 mètres, je crois, montagne. Comme ça, il faisait 14 degrés là-haut. Je fais froid. La montagne en fait a servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour surveiller en fait le fleuve Saint-Laurent, parce qu'apparemment il y avait des sous-marins qui passaient là. Et surtout comme c'était le mont le plus près et le plus accessible, en fait ils mettaient des tours radio à l'époque ici pendant la Seconde Guerre mondiale pour communiquer. Et pendant les années 60, je crois qu'ils utilisaient la montagne, enfin ils ont bétonné en fait le chemin qui montait pour permettre à des jeeps de passer en fait. Et en fait ça permettait d'emmener des touristes en haut plus facilement et en jeep, et donc ça devait être cool à l'époque. Mais nous on a râlé ça à pied. Voilà, et donc maintenant il y a une tour en haut, et puis oui, aussi à l'époque il y avait un garde-feu, donc c'est un mec qui devait prévenir s'il y avait un incendie dans la forêt, je crois. Je me dis, c'est le mec qui voit un incendie, le temps qu'il contacte les mecs, le temps que les mecs y vont, ça a dû ravager un ou 2 hectares de forêt, mais bon, ce
qui va un gardien des feux ou garde des feux, je sais plus. Du coup là, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant parce qu'il y a un barbecue dehors, mais je sais pas si je vais aller parce que je suis un peu crevé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était beaucoup de plans, beaucoup de musique parce que c'était vraiment pour montrer un peu la randonnée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien. Ça ressemble pas mal à un fond d'écran, ça. Peut-être prendre un jour une photo, mettre sur l'ordi. Ou même mieux, prendre des photos et les vendre sur internet. C'est un bon truc, ça. Ça y est, je suis sorti de la forêt, hein, avec là. Bah, tu voyais bien, il y a des maisons en face. Donc, je suis plus dans la forêt. Mais je sais pas maintenant à partir de là, il faut aller où. Donc j'y vais au pif. De toute façon, je vais bien trouver un jour où c'est la plage. Hein. Faut juste se diriger vers le sud. Enfin, le sud. Vers l'est. Non, l'ouest. Faut aller vers l'ouest pour trouver la plage ici. Donc là-bas. Eh, regardez ça les gars. Ça. Ça c'est du quartier américain. Enfin, dans le style. Et ça c'est cool. Donc ils m'ont dit...